Bonsoir à tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez Atwar Concept Office où je suis installée dans mon joli canapé bleu. On s'essaye aujourd'hui un nouveau média, un nouveau format avec un outil très pratique pour faire du contenu vidéo. Et on va recevoir des invités dans ce joli petit salon qui vont nous parler de tout, de n'importe quoi et surtout de tout ce qui nous intéresse ou qui pourrait nous intéresser en local. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Angèle, notre première invitée. Angèle, si tu veux bien te présenter. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle donc Angèle, j'ai 40 ans, je suis la maman d'une petite fille formidable, la compagne d'un homme pas mal. Je suis présidente de la société Corp Media, directeur général de la société Une Évidence, membre actif du CJD de Stratexio, une émanation export du MEDEF, trésorière de la French Tech, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah, et l'heureuse propriétaire de Chewbacca qui est souvent avec moi et de Jedi qui n'est pas là pour pas qu'il y ait de blessés. Écoute Angèle, c'est un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Je voulais vraiment parler avec toi du coup de la société Corp Media. Je voulais savoir ce que c'est parce que média, on a tendance à imaginer société de communication ou de télé d'ailleurs, ou presse, enfin peu importe. Mais quel est exactement ton métier ? On propose aux collectivités, aux institutionnels, à l'enseignement supérieur, une solution de captation vidéo complètement simplifiée pour que n'importe qui puisse la prendre en main et joue les apprentis vidéastes avec plusieurs caméras, une régie embarquée qui tient dans le coffre d'une voiture. Très bien, Gaël, merci. Mais concrètement, pour vous avoir un peu suivi sur vos réseaux, Facebook et Insta, vous acharnez un petit peu contre les collectivités qui utilisent leur téléphone portable pour filmer les conseils municipaux. Pourquoi ? Alors, les collectivités territoriales, c'est un peu notre essence, notre philosophie, notre cible privilégiée. Et du coup, on s'acharne sur les collectivités territoriales parce qu'il y a énormément de choses à montrer au niveau des collectivités, à filmer du coup les conseils municipaux, les commissions, les spectacles, les services culturels, les conférences, les prises de parole. Et on trouve qu'ils sont un peu frileux dans le déploiement d'une solution efficace pour ouvrir les fenêtres et mettre en lumière tout ce qui est réalisé aussi bien par les agents que par les élus. Donc on voudrait, on souhaite, on se bagarre pour que les collectivités territoriales adoptent une solution technique qui leur permette de mettre en lumière leur travail et pour le bien de tous. Malheureusement, aujourd'hui, les médias, on va dire, classiques, écornent un petit peu l'image des élus, des agents, des municipalités, des collectivités en général. Et moi, j'étais tout à fait pareil. Hein. Quand je regardais la télé, j'étais la première à dire oh, « ils sont quand même surpayés, ils sont très très nombreux, ils font pas grand-chose ». Et quand on a commencé l'activité, j'ai bien été obligée de me rendre à l'évidence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'engagement de la part de ces hommes et femmes. Et finalement, il est assez peu connu et encore moins reconnu. Donc c'est pour ça qu'on titille un petit peu les collectivités, puisqu'on voudrait justement mettre en avant et les mettre en lumière sur leurs actions quotidiennes pour le bien-être des concitoyens. Du coup, très bien, les collectivités, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'anime véritablement pour pouvoir pousser les collectivités à utiliser le média vidéo, alors avec ton outil, j'ai bien compris que c'était mieux, mais en tout cas, utiliser le média vidéo et pousser les élus et les agents dans les collectivités à communiquer par ce biais. Alors, je l'ai déjà un peu dit, mais ce qui m'anime véritablement, en fait, c'est la lutte contre l'abstentionnisme. On est quand même dans une situation hyper dégradée et ça ne fait que se dégrader au fil des scrutins et au fil des années. Où les gens se détournent un petit peu des urnes. Je pense qu'ils se détournent des urnes, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, parce qu'il y a tout ce bruit de fond, ce brouhaha médiatique sur les élus, et ce brouhaha n'est pas forcément glorieux pour les élus. Du coup, je pense, encore une fois, que la plupart des concitoyens n'ont pas conscience de ce qui est... Du travail que ça représente, de ce qui est fait, réalisé dans les collectivités territoriales. Et à notre échelle, à notre petit niveau, on a très envie de mettre la lumière sur le travail des élus pour inciter les gens à aller voter. Parce que oui, ça a un intérêt et non, les élus ne sont pas interchangeables. Chacun selon ses opinions, ses tendances, son engagement.
peut influer sur la vie du concitoyen à tous les niveaux, en local ou au national, que ce soit sur les municipalités ou même les députés dans le cadre des élections législatives. Et il est important pour nous de mettre notre pierre à l'édifice et de montrer ce qui est réalisé pour inciter les gens à aller voter. Alors, d'après ce que tu me dis, le recours à la vidéo et en tout cas la volonté, l'essence qui t'anime pour développer Corp Média, c'est davantage mettre en avant finalement le travail des politiques. Ah, mais complètement, parce que les citoyens finalement se posent la question de qui va gérer quoi au moment du scrutin. Mais en réalité, les mandats sont longs et durant ce mandat, des travaux sont réalisés, il y a de l'engagement, il y a du travail, il y a de l'implication. Et c'est exactement ça qu'on veut montrer et qu'on veut diffuser le plus largement possible. Du coup, si je reformule, Corp Média, ce n'est pas seulement un outil vidéo qui est complètement polyvalent à destination des collectivités territoriales, mais en tout cas, c'est un outil extraordinaire pour mettre en avant le travail qui est réalisé et écorner l'image catastrophique des élus et des collectivités territoriales. Oui, oui, parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui est fait, qu'on ait élu ou pas la personne en charge, en place et qui œuvre durant son mandat, il est important de montrer le travail qui est fait. Ça reste, j'ai l'impression de tabasser, mais effectivement, il y a du travail, il y a de l'engagement et on doit pouvoir y accéder et pouvoir en avoir connaissance. La vidéo est l'outil ultime pour ça. Et demain, par rapport à ton produit, quelle autre cible tu vas aller chercher ou en tout cas essayer de toucher? On a été un petit peu bloqué dans nos stratégies de développement. Ce qu'on souhaite, c'est faire connaître et faire utiliser la solution dans l'enseignement supérieur et aussi dans la formation professionnelle. On pense que l'outil vidéo est un super outil de mémoire sur les gestes techniques et sur les contenus. Y compris les contenus de formation, puisque ça permet de gérer les turnovers en gardant du support. Enfin, ça peut être très, très utile dans ce cadre-là. Et on est d'ailleurs très content puisqu'on a un marché en cours avec un centre de formation professionnelle au Maroc. Mais ça doit être extrêmement compliqué de partir à l'export avec une nouvelle technologie et des nouveaux usages. Tu y vas toute seule ou tu te fais accompagner par des structures? Alors, on y est allé au départ un peu en mode aventurier avec Jérémy. On a commencé la première année à partir en Roumanie avec la CCI de Nancy sur la branche internationale. Je suis repartie l'année d'après au Maroc avec le MEDEF international et BPI international. J'ai du coup pris engagement au sein d'une émanation du MEDEF qui est Stratexio et qui accompagne les entreprises. Souvent entreprises industrielles, moi je fais un peu office de petit pousset sur la représentation start-up, mais qui accompagne les entreprises à l'export sur la prise de contact, la réglementation, toutes ces considérations douanières ô combien passionnantes et compliquées. Donc effectivement, on se fait accompagner par des professionnels du sujet et on n'y va pas tout seul le couteau entre les dents. Tu as l'air très actif sur des secteurs d'activité qui sont très masculins d'ordinaire. Par rapport à ta situation, ton genre, est-ce que tu te ressens en difficulté? Est-ce que tu as l'impression de rencontrer des difficultés particulières ou pas du tout? Alors, il faut me garantir que ma réponse ne sera pas coupée au montage parce que non, pas du tout. Je n'ai pas l'impression que d'être une femme dans l'entrepreneuriat et même dans la tech soit une difficulté. Et ça me fait toujours sourire puisque j'ai été contactée par un journaliste d'un magazine à ce sujet qui m'a questionnée pendant 40 minutes. Et comme je ne souhaitais pas lui dire que oui, je me sentais vraiment en difficulté ou dans l'obligation de me bagarrer plus qu'un homme, eh ben, n'a pas pu publier l'article. Donc non, être une femme dans ce secteur d'activité, c'est... Bah, ça passe quoi, c'est pas plus simple, mais en tout cas ça me semble pas plus compliqué que si j'étais un homme. Merci Engel d'être venu répondre à nos questions et d'avoir participé à ce pilote. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette petite vidéo. N'hésitez pas également à nous faire vos suggestions et commentaires. Notre
CM énervée est toujours présente pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Nous aurons très prochainement l'occasion de nous retrouver sur Médiatise et les canapés bleus.